Bonjour chers élèves, on se retrouve aujourd'hui pour une leçon d'orthographe destinée aux élèves de la quatrième année de l'enseignement primaire. Nous allons voir aujourd'hui comment lire la lettre S entre deux voyelles. Vous savez l'alphabet en français, n'est-ce pas? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. C'est l'alphabet en français dans lequel on trouve les consonnes et les voyelles. Vous savez les voyelles? A, E, I, O, U, Y. Et les autres lettres, ce sont des consonnes. Nous allons se concentrer aujourd'hui de parler de la lettre S, la consonne S. Comment lire la consonne S entre deux voyelles? Lisez les mots suivants. Vous avez lu? Je vais lire. Écoutez, un semoir, une salade, un oursin, un sucre. Qu'est-ce que vous avez entendu, chers élèves? Comment on a lu la consonne S? On a entendu le son S. Je vais lire les autres mots. Écoutez, un oiseau. Un magasin, une cerise, un rasoir. Qu'est-ce que vous avez entendu? On a entendu le son Z. On a lu la consonne S, Z. Mais quand S se prononce Z? La lettre S se prononce Z si elle est entre deux voyelles. On a vu les voyelles A, E, I, O, U, Y. Regardez ces mots et écoutez. Un magasin, un rasoir, un oiseau, une cerise. Voyez-vous, chers élèves, S se trouve entre deux voyelles. A, I. A, O, I, E, I, E. Alors, S se prononce Z entre deux voyelles. Mais, si la consonne est double, c'est-à-dire on a vu deux S, on doit lire S, même si elle est entre deux voyelles, on va la lire S. Regardez ces exemples. Une moissonneuse. Un poussin. Un pamplemousse. Un tissu. Ici, on a double consonne. Il y a les voyelles. On a lu S, S parce qu'il y a la consonne double. Maintenant, vous savez comment se prononce « ce » dans tous les cas. On s'entraîne ensemble. Lisez correctement les mots suivants. Je vais lire.
Suivez avec moi. Caisse. Travailleuse. Noisette. Fraise. Arrosoir. Moisson. Usine. Industriel. Blouson. Parfois on a lu la consonne S, S et parfois Z. Essayons de voir les mots où on a lu S, S. Caisse. Pourquoi? Parce qu'il y a double consonne. Elle est entre deux voyelles, mais il y a double consonne. Il y a deux S. Moisson. La même chose. Il y a double consonne. Industriel. Il n'y a pas double consonne ici, mais elle n'est pas entre deux voyelles. Elle se trouve entre U et T. T est une consonne. Les autres mots, on a lu S, Z, parce qu'elle est entre deux voyelles. Travailleuse, entre U et E. Noisette, entre I et E. Fraise, entre I et E. Arrosoir, entre O et O. Usine, entre U et I. Blouson, entre U et O. Voilà, on a fini. Est-ce que vous savez maintenant comment lire S? Bravo! Alors, je vous dis au revoir et à bientôt.